Écoute-moi, il faut que tu te calmes. Tu me reçois ou pas? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Merde, ils ont dû barricader la porte. Je dois libérer le passage. Je devrais pouvoir détruire la barricade d'ici. Taïb, tu m'écoutes? Je te dis de rester où tu es!
tout va bien se passer, ok? Trip, tu m'écoutes? Joins tout de suite. Écoute-moi, il faut que tu te calmes. Si tu me reçois, essaie de te mettre à l'abri, j'arrive! Ils sont partout.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Espèce d'enfoiré. Trep ! Tiens bon, Trep, j'arrive. C'était chez moi. Les transports sont revenus. Ils ont tout détruit. Comme tu l'avais dit. Il y a peut-être des survivants cachés quelque part. Mais ils n'auront pas laissé de survivants. On n'en sait rien. Le bunker. Ok. Ok. Conduis-moi. Sécurité est intacte. Papa. Oh, c'est vrai. Il y a bien des survivants. La porte ne peut se fermer que de l'intérieur. Ok, comment on l'ouvre? Je sais, suis-moi.
par ici. Hey, où tu vas? Si on retire les restricteurs des éoliennes, ça entraînera un survoltage. Les verrous électroniques du grand hall seront court-circuités, et là, ils redémarreront. Pendant qu'ils redémarrent, je les désactiverai. Ok, d'accord, mais c'est faisable? Oui, viens avec moi. Je dois faire monter le courant à environ 15 000 kW. J'espère juste que les générateurs n'ont pas été endommagés. Excellent, ils sont intacts. Ça va fonctionner. Le grand moulin. C'est là qu'on doit aller. Les portes sont protégées par du courant électrique. Si tu les touches, tu meurs direct. On va devoir passer ailleurs. On pourrait passer par le pont en dessous. On dirait que la passerelle a été levée. Le levier de contrôle se trouve là-bas. Tu pourras l'atteindre en escaladant. Pas. Pourquoi Pyramide fait ça, Monkey? Qu'est-ce qu'ils veulent? Peu importe. Pour l'instant, il faut qu'on rejoigne ton père. Lance-moi jusqu'à cette fenêtre. De là, je pourrai monter jusqu'en haut.
Toi, tu devras trouver un autre chemin. Laisse pas décourager, Trip. On va y arriver. Merci, Monkey. Merde, des robots. Au moins, ils sont bloqués par la porte. Mais ils rentreront direct une fois qu'on aura coupé le courant. Ok, laisse-moi faire. On continue. On doit déployer les ailes pour le mettre en route. Vite, je vais te montrer ce qu'on va faire avec la libellule. Tu devrais pouvoir l'escalader par l'arrière. Il faut déployer toutes les ailes pour le faire tourner. C'est parti. Je reste ici pour contrôler le frein.
Ok. Mais ça suffit pas encore. Il faut que tu déploies les autres ailes. Tu ne peux pas atteindre les autres de là-haut. Tu devrais pouvoir atteindre les autres à partir de ce bâtiment. Quand je dois l'arrêter, que tu puisses sauter dessus. Arrête le moulin. Tout de suite. Relance-le! Je relâche le frein. Arrête le moulin. J'enclenche le frein. Il en reste encore une à déployer. Ok, immobilise-le. Relance-le. Enclenche le frein. Relance-le. Enclenche le frein. Relance-le! Arrête le moulin. Fais-le tourner. Arrête le moulin. C'est bon.
fini. Fais attention en redescendant, Monkey. Bon, je vais déclencher le survoltage. Retourne à la porte et tiens-toi prêt à accueillir les robots. Ok, je suis prêt. Ok, prépare-toi pour le survoltage. T'es prêt? Et comment? Vas-y. Ok, c'est bon. En route. Il faut qu'on retourne à la porte du bunker. Je devrais pouvoir l'ouvrir quand le système redémarrera. Vu que ça marche. T'en fais pas. Ça y est, ça va couper. Merde. Et tu continues.
On y va. J'arrive. Ça a marché? C'est un bonheur pour moi, en ce moment, de te savoir en vie. Je t'aime, Trip. Je t'ai dit... Ramène-moi. Et je te libérerai. Mais j'ai menti. Les esclavagistes viennent de l'Ouest. Donc on va aller là-bas. Et découvrir qui a fait ça. Et je tuerai cet enfoiré. Dis-moi pourquoi tu m'as rien dit. Comment ça? J'ai pas tenu ma promesse. C'est partir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ta maison. Ce qui faisait ta vie. T'anéanti. Et tu veux te venger. Je comprends. Tout est toujours simple. Les choses sont ce qu'elles sont. On est où au juste? C'est une ancienne usine. On y fabriquait des robots pendant la guerre. Des gros. Et qu'est-ce qu'on fait là? On cherche quelqu'un. Qui? Un vieil ami de mon père. Il habite dans le coin. Il devrait pouvoir nous aider. S'il est toujours vivant. Par ici.